Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Euh, mais il va pas rester longtemps près de moi parce que mes, j'ai très très mal aux mains et du coup je viens de les masser au camphre. Donc le camphre, bah ben, ça lui fait rien. <laughs> Aujourd'hui, vidéo promise euh, dont je vous avais parlé ben, dans ma vidéo d'hier, je crois. Euh, d'hier ou avant-hier On est quoi on... Ben, Elle lèche. Non, il ne faut pas lécher. Maman, elle a mis de la pommade. Il faut folle. Euh, vidéo comparative avec euh, un kit. Attendez, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Euh, avec un kit. Euh... Le vrai kit. Voilà. Et, un, et la copie en DIY cross euh, Donc, le DIY cross c'est celui-ci. Celui que je vous ai présenté ben, dans ma vidéo d'hier. Hein. Voilà. Les petits enfants au bord de la mer. Ma, ma fille, maman, elle t'adore. Elle t'aime. C'est l'amour de ma vie. Mais, hop là <laughs> Et... Le vrai, donc, c'est Dimension qui l'a sorti. Et euh, la créatrice, c'est Christa Kiefer. Je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est une création de 2004. Voilà. Alors, on va euh, comparer les deux kits. Oh, je suis fatiguée. <laughs> Mais je, je crois qu'elle elle, elle aime le coffre. Elle est folle. Mais de toute façon, elle adore le javel. Bon, maintenant, je vois qu'elle aime le camphre. Euh, non, lâche pas. Euh, J'ai un chat bizarre. Il y a une, petit, une petite, chat, -chat bizarre. Mm. Allez, hop, va faire de dos. Par contre, pour comparer, ça ira mieux que on se mette face bureau. Euh, comme ça, vous. <laughs> je plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce petit chacha. Ben, elle s'éclate avec l'odeur du camphre. Allez, non, hop là. Euh, donc je disais, on se met face bureau euh, pour mieux euh, voir euh, la comparaison entre les deux kits. Donc vo <laughs> la vo la re voilà, revoilà. Voilà les deux kits. Donc, le DIY Cross Stitch et le dimension. Alors, déjà, niveau épaisseur. Hein. <laughs> euh, bon, l'image, bon, ils ne se sont pas embêtés, hein, bien sûr. Ils ont, juste, ils ont fait une copie. Et donc, déjà, niveau toile, ben, ça ne va pas du tout être la même chose. Allez, on ouvre pour mieux voir. Bon, vous l'avez déjà vu en détail hier, hein, pour celles qui ont vu la vidéo. Euh... Mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ça vous permettra de voir en détail. Bon, le dimension, je ne cro... je ne sais plus si je vous l'avais montré en détail. Euh, non, je voulais pas montrer en détail parce que j'ai déjà, on a du mal à ouvrir le paquet. Alors déjà... Avec mes mains qui me font mal, je reviens. <laughs> voilà. Bon, bah, j'ai dû couper euh, en bas parce que, eux, par contre, la colle, chez dimensions, euh, bah, elle colle. <laughs> alors, déjà, la première différence qu'il va y avoir euh, sur ces deux kits. Alors, je vais enlever les fils. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est la toile. Hop, je vous avance. Donc, déjà là c'est de l'estampé, bien sûr. Euh, là, ça va être du point compté. Ici, ça va être du 11 ct en toile blanche. Ici, c'est du 14 ct en toile ivoire. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Voilà. Là, c'est le 14 CT. Et bon là je vous montre sur l'envers pour l'instant et là c'est alors hop et voilà les deux l'une sur l'autre excusez-moi voilà. Donc euh, là, vous voyez déjà bon niveau la grandeur de la toile, c'est pas la même, bien sûr, hein, puisque ici la blanche c'est du 11 ct et ici l'ivoire, c'est du 14 ct, par contre c'est de l'aïda tous les deux. Alors, ici c'est un aïda, mais la toile va être euh, plus souple, voilà. Ici elle est beaucoup plus souple. Ici, ici elle est plus raide. Bon, déjà avec la l'impression qu'il y a dessus. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà. Au niveau là, c'est de l'estampé, hein, d'accord. Ensuite, alors niveau, alors on a une aiguille. Hein. Euh, bon là, il y en a deux hein, chez. <laughs> C'est pas très grave. Alors, attendez, je vais la mettre sur le côté pour ne pas la perdre. Alors, niveau euh, patron, bien sûr, on va déjà avoir une petite différence. Voilà. Hein. Je vous montre, euh, voilà, ça c'est la taille. Voyez, ici, on a déjà euh, un petit 15 cm en plus sur le patron là vous en voyez une moitié l'autre moitié doit être derrière ou sur l'autre sur l'autre oui voilà donc voilà la grandeur bon approximative hein, du patron euh, de chez dimension et voilà le patron euh, de DIY cross Bon. <laughs> déjà, là, on a déjà une différence. Hein, euh, niveau taille, patron. OK. Euh, le DIY cross est c'est un 40-50. Et ici... Non, Fifi, s'il te plaît. Euh, alors, je pense que c'est le dessin. 22,8 sur 30,4 euh, ça euh, normalement c'est la taille du dessin et la ta... non fifi s'il te plaît maman elle t'adore mais hop voilà et ici de toute façon ça va être plus grand plus petit je ne me rappelle plus de la taille que je vous ai donnée hier 39 et demi sur 29 et demi voilà et donc là on a 22 bon on va dire 23 sur 31 mais ici en dimension la toile est plus fine donc voilà niveau patron hein, je vous remontre la différence voilà bon il n'y a pas photo ici sur le dimension euh, alors, je vais, je vais laisser mon papier devant parce que je ne voudrais pas que le. Comment Que la, la grille soit, soit capturée. Euh, on va avoir du cross-stitch. Alors, le half-cross-stitch, c'est quoi déjà J'ai regardé hier. Euh, demi-croix. Je crois que c'est de la demi-croix. Euh, on va avoir du point arrière et on va avoir du point nœud. Voilà, sur dimension. Sur euh, DIY cross on a que de la... Fifi, s'il te plaît, on a... Oups, pardon mon bébé. Ça fait un gros bruit, mais c'est parce qu'elle est tombée sur les sachets. Ne vous inquiétez pas, je lui fais pas de mal. Euh, sur le DIY Cross Stitch, ça ne va être que du point de croix. La deuxième différence qu'il va y avoir, comme vous pouvez voir sur le patron DIY Cross Stitch, c'est brodé entièrement. Donc vous allez devoir faire le fond entièrement, euh, ce qui n'a aucune utilité pour moi. Euh, tout ce qui n'est pas brodé sur le dimension, vous voyez, par exemple ici, euh, je, voilà. Euh, là, ouais. Fifi, non. Maintenant, maman va se fâcher. Après, tu vas salir la broderie. Euh, par exemple ici, bon, vous voyez, c'est la même forme, mais là, ce n'est pas brodé, là non plus. Hein, mais ici, tout ce qui est en jaune va être brodé. Euh, pourquoi je vais... Alors, pourquoi eux, ils vont faire broder parce que... Alors je vais sortir de, du plastique. Oh là, là c'est une horreur mes mains en ce moment. Voilà. Hop, je vais vous agrandir. Alors, pourquoi eux, ils font euh, le fond Rappelez-vous, là, c'est sur une toile ivoire. Non, c'est trop grand. Et on, le, on va le broder avec une toile ivoire. Et sur la photo, euh, la couleur ivoire ressort. Voilà. Donc, ce qui fait que quand ils prennent la copie de la photo, c'est comme ça qu'ils font hein, ils prennent la copie de la photo. Pour eux, dans, dans leur ordinateur, ça sort comme une couleur à faire. Alors que non, ce n'est pas une couleur à faire c'est la couleur de la toile. Voilà, c'est la c'est cou cette couleur là. Et eux, ici, ça voyez, ça sort en couleur ivoire, d'accord, mais à broder. Voilà. Parce que bon, bah, ils, ont, ils ont piqué la photo qui est là. Et euh, l'ordinateur leur a dit bah là, c'est de l'ivoire, donc euh, il faut le broder. Et je vous remontre sur la toile. Voyez pour eux. Voilà. C'est bien marqué 11. Pour eux, il faut le broder. Alors que non. Et du coup. Du coup. Alors. Hop, 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 hop. Je vais démêler mes fils. Excusez-moi. Ça fait des nœuds. Enfin, ça fait des nœuds. Non, mais. Hop, voilà. Et du coup. La couleur ivoire. Que nous, on a en toile. Oh, la voici. Voyez donc, eux, la couleur de la toile euh, d'origine, bah pour eux, elle est à broder et elle est à broder en couleur ivoire. Voilà, donc c'est pour ça que chez eux, le fond, on le bro... il faut le broder, mais c'est une erreur. Voilà, c'est l'ordinateur ne fait pas la, di... la différence chez eux euh, de... de la couleur de la toile d'origine et de ce qu'il faut broder pour eux, tout est à broder. Voilà. Euh, ensuite, alors, attendez, je vais refermer ça pour qu'on voit un peu plus. Euh, chez DIY cross nous avons 25 couleurs. D'accord Et. Hop Donc, voici les couleurs. Alors, vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de fils. Hein. Et on a un petit peu de couleur ivoire. Mais très peu, mais là ça va être dans l'image, ça va être dans le bateau, je crois. Vous voyez, je crois que ça va être ici, là, dans le bateau, là. Euh, chez eux, on a combien de couleurs 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On a déjà trois couleurs en plus chez, euh, chez Dimension. Je vous montre les couleurs. Voyez. Désolé pour le bruit. Hein. Ils sont en train de faire les cabanes euh, par chez moi. Voilà. Alors chez Dimension, euh, les fils sont mis comme ça, sont collés entre deux, deux plaques de carton, et vous avez les références comme ça. Donc là, vous, il y a trois fils, là il y en a deux, deux, là il y en a cinq, là il y en a cinq, là il y en a qu'un. Voilà, c'est comme ça que vous voyez le nombre de fils que vous avez. Et euh, alors chez eux, le fil c'est du... Alors est-ce que... Je crois pas que c'est du DMC, je crois que c'est du Anchor. Je crois. Où euh, est-ce qu'ils nous l'ont marqué alors pas, Non, là c'est la toile. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part Non, mais c'est les références en short, ça, je, je crois. Euh, voilà, c'est là. La... Alors, voilà, en français. Euh, non, mais le... Mais je crois que j'avais vu hein, sur le site euh, que c'était du, du fil en short. Alors, vous allez retrouver ici des explications. Voilà, comment euh, vous devez broder, comment on fait le, le point de nœud, comment on fait la demi-croix. Donc, la demi-croix, c'est ça. Hein, c'est juste, voilà. C'est juste une, une, un trait de la croix. Là, bien sûr, comment on fait la croix et comment on fait le, le point arrière. Voilà. Et ici. Euh... Ah oui, on vous explique pour l'encadrement. Alors, ici, c'est bien parce qu'on vous explique pour l'encadrement, en plus. Donc, voilà. Euh... Ah ben, il y a des autres explications. Voilà. On nous dit de surfiler le bord de la toile, parce que là, bon, que ce soit l'un ou l'autre, les toiles ne sont pas surfilées. Mais ici, quand même, on voit que c'est de la bonne qualité parce que, vous voyez, il n'y a quand même il a pas de fil qui dépasse. Vous hein. voyez, il n'y a rien. Hein. Et on vous montre également euh, comment le mettre dans votre tambour, comment trouver le milieu. Ça, c'est bah, l'aiguille. Et comment euh, prendre votre fil pour broder. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'explications vous allez avoir un peu de point arrière donc euh, chez euh, chez dimension bien sûr par contre ici euh, où est ce qu'il est bah, le patron est là là vous ne voyez aucun point arrière rien il n'y a pas du tout de point arrière de noter pas de point nœud pas pas de demi croix voilà. Alors, les demi-croix, euh, normalement... Je reprends l'autre. Alors... Euh, où est-ce que j'ai vu les demi-croix Oui. Alors... Voilà. voilà J'en vois ici. Vous voyez, ici, on va avoir... Voilà. Hop Ça floute. Voilà. Vous voyez là, ça c'est des demi-croix. Et je crois que le reste aussi. Alors tuk tuc tuc, Là, voilà, ça, ce sera de la demi-croix également. Voilà, etc. Donc tout ce qui va être euh, ici dans le fond, voilà tout ce qui va être ici au fond, ça va être de la demi-croix. Et par contre, chez Crostiche. Bah, tout ce qui est autour du, des, des personnages, euh, c'est de la croix. Voilà. Donc, ça va être beaucoup plus euh, grossier. ça sera De toute façon, là, ça va être entièrement de la croix. Et les personnages ne, sont, ne vont pas ressortir comme sur Dimension, puisque là, il n'y aura aucun point arrière. Euh, on a même du mal, vous voyez, à voir le bateau. voyez, le bateau est là. Mais. Euh, les, les couleurs se suivent. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore euh, Bon, bien sûr, c'est pas le même prix. Hein. Euh, dimensions, je ne sais plus combien je les payais. Euh, là, les dimensions, c'est moi qui les achète. Hein. Je précise, hein, on me les a pas offert. Hein. Euh, je ne sais plus combien je les payais. Je regarderai, je vous le marquerai. Et là, bien sûr, euh, c'est pareil. Je ne l'ai plus en tête, mais je vous le marque le DIY crostiche, j'ai dû vous dire le prière, mais ça devait être moins de 10 euros, euh, largement moins de 10 euros, je crois. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore que je peux vous dire Bah là, bon, on va avoir les symboles comme ça. Donc les fils Hop. Alors par contre, bon, ils sont pas radins en fil hein, parce que là, ils nous... de toute façon, il reste toujours une très une grande quantité de fils. Voilà voyez oui. et alors je vais essayer de repérer les couleurs pour voir euh, ouais je pense que ça doit être ça ouais non c'est pas c'est pas dans le même ordre bah oui alors je vais essayer de vous montrer ça je vais me mettre sur du blanc voilà J'espère que vous allez bien voir. J'espère que ça va aller à peu près. Je vais zoomer. Voilà. Donc, vous voyez ici, euh, déjà, on va avoir euh, beaucoup de gris. Voilà, j'espère que ça va, hein, que vous voyez bien. Hop. Vous voyez ici, on va avoir euh, des, des gris foncés. Euh, alors, le rouge, bon, le rouge, c'est pas tout à fait le même non plus, bien sûr. Voilà le, les, la différence. Oh là là, vous allez voir que je vais faire des noeuds avec mes fils, moi. Allez Hop Voilà, vous voyez, c'est pas du tout la même référence de, de couleur. Euh, bon, l'ivoire, je n'en parle pas, puisque dans l'autre, euh, l'ivoire, euh, on n'en a pour ainsi dire pas. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous donner comme couleur euh... ben Celui-là, on ne l'a pas. On a un rose pâle, comme ceci, chez Dimension. Euh... Là, sur DIY Cross Stitch, ben, on n'en a pas il n'y en a pas du tout voilà alors voici si le zoom le flash est mis excusez moi j'ai passé ma main mais je voulais vérifier euh... qu'est ce qu'on a encore non les couleurs pff, ça a vraiment rien à voir hein. même avec les bleus vous voyez c'est pas les mêmes il y on a plus de bleu euh, foncé là. Le, le, le foncé, on en a qu'un tout petit peu ici. On n'a qu'un seul fil, enfin deux fils, mais euh, voilà, on n'a que ça. Et eux en bleu, vous voyez, ils nous mettent quand même plusieurs sortes de bleu. Voilà donc le résultat euh, visuel couleur ne sera pas le même le résultat euh, j'essaie de hop, je me met là le résultat euh, bah, de la broderie par elle-même euh, niveau des points de croix tout ça bah, ce ne sera pas le même non plus puisqu'ici on va la broder entièrement ici non on va broder euh, que vraiment le dessin, la mer, un peu le, le ciel, les oiseaux, bien sûr. Voilà. Mais il y aura euh, une partie qui ne sera pas brodée. Donc, ce qui va faire ressortir le dessin. Là, ça va être un gros tas. Voilà. <laughs> euh, donc, voilà, ils font des copies, mais voilà, ils ont pris en photo, enfin, en photo, ils ont scanné, euh, enfin, ils ont fait une capture d'écran, enfin, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. De ce dessin et voilà, ils l'ont reporté, mais l'ordinateur n'a pas n'a pas détaillé euh, le, le vrai dessin en lui-même. Voilà. De toute façon déjà même, regardez la couleur hein, des... de la photo, vous voyez bien que c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc voilà alors, je vous rappelle que ce, cet ouvrage est un, une création de christa kiefer. Euh, il y a d'autres créations d'elle hein, avec des enfants, la mère, tout ça, euh, que l'on peut voir chez dimension. Euh quest ce que je peux dire d'autre ben, je pense que j'ai tout dit si vous, vous avez des questions à me poser sur ce, ce comparatif n'hésitez ben, pas dites moi euh, ce que vous en avez pensé dites moi est ce que mes comparatifs justement euh, peuvent vous faire changer d'avis peuvent vous faire partir vers le point compté là bien sûr c'est de la, la broderie facile puisqu'on va euh, uniquement euh, suivre les couleurs qui sont sur la toile. Voilà, vous allez juste suivre euh, ce qu'il y a sur la toile. Euh, le point compté, ça va être un peu plus rébarbatif parce qu'il va falloir que vous comptez vos points, mais pff, il ne faut pas vous en faire un monde. Euh, C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez peur de, de vous tromper, par exemple, euh, il vous suffit de comment je plie en deux, on verra mieux. Il vous suffit de photocopier une, par... une première partie, par exemple, vous commencez par le milieu. Vous commencez à... À... à photocopier une feuille parce que un conseil, ce sont des kits quand même qui ont une certaine valeur, les dimensions. Donc n'allez pas griffonner. Sur, euh, moi, ça ne me plaît pas. <laughs> je ne pourrais pas griffonner un vrai patron. Euh, donc, faites une photocopie et, et vous stabilotez au fur et à mesure que vous faites euh, vos croix. Voilà. Mais pitié. Ne stabilisez. Des fois, je le vois hein, dans des vidéos euh, que certaines brodeuses stabilotent le, les vrais patrons. Ah, ça, j'ai. <laughs> mal au coeur pour le patron euh, parce que ben une fois que vous, euh, vous soit vous allez le garder ou si vous voulez le donner à votre cousine, votre grand-mère, votre mère, ou le revendre, parce qu'il y en a beaucoup qui revendent également hein, sur Vinted par exemple. Euh, voilà, le, au moins le patron est nickel. Euh, donc ne stabilotez pas sur les patrons, euh, faites-en une photocopie. Et justement, les photocopies, vous allez pouvoir agrandir si vous avez, comme moi, un problème de vue. Et vous verrez beaucoup mieux. De toute façon, là, euh, bon, je vous montre une partie. Vous voyez, c'est très, très bien imprimé. Hein il n'y a, a pas de souci. Hein vous voyez Donc, c'est imprimé en trois couleurs. Euh, quatre même. Alors, il y a le noir, le rouge, le bleu. Oui, non, trois couleurs, c'est bien ce que je disais. Euh, c'est pas plus compliqué qu'un qu kit comme ça. Moi, ces kits-là, bon, oui, je sais, j'en ai fait mais je me suis fait avoir <laughs> euh, dès la première fois où on m'a demandé de euh, faire du partenariat. Je ne connaissais pas du tout hein, l'estampé le, avant. Et euh, donc je me suis un peu fait embarquer là-dedans. Mais euh, moi, les... Les estampés, voilà. Excusez-moi, je suis un peu perturbée avec le bruit qui est à l'extérieur. Les estampés me font plus penser à du canevas, voilà. On fait des croix. Bien sûr, on fait que, on fait des croix. Un canevas, normalement, c'est de la demi-croix. Ça dépend quel fil qu'on va utiliser, mais euh, normalement, c'est de la demi-croix. Mais ça me fait penser à du canevas, voilà. Euh... Oui, c'est un, comme on dit, c'est du zéro cerveau puisque on va juste suivre la couleur qu'il y a sur la sur la toile. Voilà. Mais on n'aura jamais, jamais, jamais le même résultat que sur une toile de point compté. Et en plus, sur une, une toile de point compté d'origine. Parce que là aussi, on, a, on, a les, on, les, on peut les trouver en point compté. Mais vous n'aurez jamais le même résultat que sur une toile d'origine. Là, vous allez avoir vraiment le détail. Vous avez vu, vous avez des croix, vous avez des demi-croix, vous avez euh, du point arrière, vous avez du point nœud. Euh, des fois, vous avez même encore d'autres euh, des quarts de points, des petits points, des petits points. Ce sont des mini-croix que l'on fait euh, dans. Euh, comment Vous avez votre carré, voilà, vos quatre points, et vous vous allez euh, sur un carré normal. Euh, je vais vous montrer ici. Hop. Voilà sur un carré. Mais en Aïda, c'est c'est pas simple. Vous Voyez, vous avez votre carré ici, un, une, euh, un petit point sur ce carré-là, par exemple ici, vous allez pouvoir faire quatre croix au lieu de une. Voilà, c'est ça un petit point. Euh, regarde, alors je vais, je sais, si j'oublie pas, euh, j'essaierai de vous mettre la vidéo de Angèle. Euh, qui a fait une vidéo là-dessus qui explique comment faire les petits, les petits points. Euh, donc, euh, je ne vais pas vous en faire une puisque justement, Angèle en a fait une. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien, je vais essayer de ne pas oublier, je vous le mettrai en barre d'infos ou dans le i et elle vous montre comment faire. Euh, donc, là, sur un carré comme ça, ici, voilà, vous, vous allez pouvoir faire quatre petites croix. Voilà, et les... des fois vous n'en faites qu'une, hein, mais euh, il y aura euh, une croix euh, hop, hop, dans, dans un coin. Voilà, seulement dans un coin. Euh, donc des fois vous avez des petits points. Euh, D'ailleurs, elle en a en ce moment euh, sur les kits qu'elle achète, euh, les boxes de, des sorcières. Voilà. Euh, je ne sais plus le nom de la marque. J'ai un trou. Enfin, vous, vous devez savoir de quoi je parle puisque beaucoup euh, l'ont acheté. J'aimerais bien m'en acheter une là, mais bon, pour l'instant, j'attends. <laughs> euh, donc, euh, sur ces kits-là, justement, il y a des petits points. Mais il arrive que dans les kits ici, euh, ou les... ceux qu'on a sur Etsy aussi, sur les grilles qu'on peut imprimer sur Etsy, chez les vraies créatrices, pareil, hein, parce qu'il y a du faux, il y a du vrai, euh, on peut avoir euh, du petit point. Voilà. Là, d'ailleurs, on m'a offert une grille euh, bah, ce week-end. Une amie, euh, une abonnée m'a offert une grille. Euh, et dans cette grille, il y a du petit point. Voilà. Et donc, vous aurez toujours plus de détails. Essayez. essayez. Si vous avez, même si vous avez peur du point compté, essayez prenez un tout petit truc voilà un petit modèle euh, même qui fait 15 cm ou de 10 cm essayez euh, n'ayez pas peur d'essayer le, le point compté et je vous assure que quand vous verrez le résultat euh, vous allez vous dire bah oui effectivement c'est euh, c'est beaucoup mieux et là je suis vraiment très heureuse parce que j'ai quand même plusieurs euh, abonnés bah, qui ont aussi des chaînes qui se mettent justement au point compté. Et euh, bah, ça me fait vraiment plaisir. Il y a Mélissa qui s'est mise au point compté. Il y a Jackie qui s'est mise au point compté. Euh, qui c'est qui, Il y en a encore une. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. Euh, elles se mettent au point compté. Euh, voilà. Donc, essayez d'abord. Voilà. N'hésitez pas d'essayer. Et je vous assure que vous serez très heureuse de voir le résultat. Euh, moi, je commencerai celui-là, je ne sais pas quand, hein, puisque là, j'ai quand même pas mal de choses en route, hein, puisque euh, j'ai remis de nouvelles broderies en route. Vous verrez ça au prochain tube. Donc, je verrai quand est-ce que je le commencerai. Euh... Donc, voilà. Alors, pour l'instant... Euh, bah écoutez, j'espère que vous avez été euh, jusqu'au bout de la vidéo. Il y a Fifi, voilà, qui passe. Hein. J'espère que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Que cette vidéo vous aura plu. Et là, hop, attendez, je remballe tout ça. Voilà. Je le laisse là devant moi. Hop. Est-ce que vous allez me mettre un mot magique Oui, vous avez compris. Vous allez me mettre un mot magique dans votre commentaire. Donc s'il y a le mot magique, bah, c'est que moi, vous déjà vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et le mot magique, je vais vous demander de me mettre euh, bah, la mer. Voilà, mer, la mer, L-A. Et plus loin, mer, mer. Donc la mer, puisque là, c'est un le dessin représente la mer donc je vous le remarque là euh, euh, sur l'écran et si vous êtes sage <laughs> vous aurez compris je fais un tirage au sort je ferai un tirage au sort alors on est quoi euh, ben, je vais vous laisser jusqu'à la fin du mois ouais juste, euh, je vais vous laisser jusqu'au alors on a 30 jours 31 jours ce mois ci 31 je vous laisse jusqu'au 31 mars voilà. Et je vous fais gagner ce kit. Voilà. Euh, oui, ben moi, je ne vais pas le faire. Hein, vous aurez bien compris. Donc, je préfère le faire gagner à quelqu'un. Euh, donc, voilà. Je vous laisse mettre en commentaire, dans, dans votre... Alors, un petit bonjour, un bisou. Et puis, euh, profitez-en pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que vous avez pensé de ce comparatif. Voilà. Et euh, je ferai un tirage au sort avec le, toutes celles qui auront mis le mot, euh, le mot la, la mère, voilà, ou même mère hein, tout seul, pas, je ne vais pas chipoter hein, si vous avez oublié l'article. Euh, et je vous ferai un tirage au sort pour vous faire gagner donc, ce kit. Voilà. Bon, malgré tout le mal que j'ai dit, <laughs> non, je n'ai pas dit du mal, mais je veux dire... Moi, euh, voilà, je vous ai fait le comparatif. Je vous ai dit ce qui, euh, les différences qu'il y avait entre les deux. Mais moi, je ne vais pas le garder. Donc, je vous le fais gagner. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas. Euh, J'attends tous vos commentaires. J'attends votre petit mot magique pour votre participation. Et en attendant, une, un autre comparatif. Je vous fais de gros bisous avec Fifi. Voilà. Fifi. Hein? dis-moi Fifi oh là là. et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous